Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu d'amour, Père Saint et Père Tout-Puissant, Dieu de gloire et d'accomplissement de choses merveilleuses, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, en ce jour de Vendredi Saint, nous voulons te dire du fond de notre âme un immense merci pour les services, l'assistance et la protection de tes anges au cœur de notre détresse actuelle. Mais merci beaucoup plus parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu viens une fois encore de plus au moyen de cette vidéo te manifester parmi nous. Depuis nos domiciles, nous pouvons encore rester connectés à l'autel du Seigneur. Depuis nos maisons, nous pouvons encore expérimenter ton amour dans la Trinité divine. Dieu, c'est humblement que nous nous présentons devant toi. Nous te disons, justifie-nous par le sang de Jésus. Fais-nous grâce et accepte-nous une fois de plus devant toi. Permets qu'en ce Vendredi Saint, nous puissions tous lever les yeux une fois de plus vers Jésus, qui a consenti le sacrifice de sa vie pour le bien de tout le monde. Et nous te sommes reconnaissants pour ça. Reconnaissants pour la parole que tu voudras nous donner ces jours. Que cette dernière contribue à la maturité de notre vie de foi. Et que celle-ci nous permette de continuer à avancer à pas sûrs vers le but suprême. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire encore merci pour tout ce que toi tu accomplis en notre faveur qui nous échappe. Mais laissez-nous ouvrir nos cœurs à toi pour te dire, Père, merci. Merci de conduire toutes choses du début jusqu'à la fin de ce service. Merci, bon Père Céleste, d'assister encore et de soulager la souffrance de tous ceux qui sont éprouvés. Père Tout-Puissant, nous prions pour les pays. Nous prions pour toutes les populations de par le monde au cœur de cette crise sanitaire mondiale. Nous prions pour l'Église. Nous te supplions, Père, si tu pourrais encore nous redonner cette occasion de rentrer dans ta sainte maison, dans les rassemblements de services divins, pour te louer, pour te célébrer encore ensemble. Dieu d'amour et de bonté, unis-nous à notre apôtre patriarche. Accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. En Christ, mes bien-aimés, à l'occasion de ces services divins de Vendredi Saint, je vous souhaite, depuis vos domiciles, une bénédiction particulière liée à ces jours de fête au sein de l'Église. Et je vous lis la parole dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets 17 et 18.
le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Écoutons à présent la lecture du passage de l'Évangile selon Marc, au chapitre 15, du 22e jusqu'au 39e verset. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: voici, il appelle Élie.
Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, chers ministres ordonnés de l'Église, nous avons une fois de plus l'occasion d'entourer l'autel du Seigneur au moyen de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fête depuis vos domiciles. Cette fête religieuse que nous célébrons ensemble, le Vendredi Saint. Au cœur de notre prédication, il sera question du sacrifice unique et éternellement valable de Jésus. Mais en suivant la parole du jour, il y a lieu qu'on se pose la question suivante. Alors que nous sommes dans les temps de la passion et des souffrances et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous souvenons, la parole, quant à elle, est tirée dans l'Évangile selon Jean. Mais plus particulièrement dans ce chapitre 10, il est question du discours de Jésus au sujet du bon berger. Si vous pouvez encore relire calmement chez vous à la maison, vous vous rendrez compte que nos versets 17 et 18 donnent l'impression de casser un tout petit peu le cours normal de ce discours de notre Seigneur, du bon berger. Mais ce n'est pas du tout vrai. Parce que la parole du jour reste quand même en relation avec ces discours du bon berger, comme je peux vous les lire. Au 15e verset de ce même évangile selon Jean, bien sûr, au chapitre 10. Comme le Père me connaît, et je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc on reste vraiment là
dans le cadre de notre célébration de ces jours. Et on garde une connexion parfaite avec les discours de Jésus du bon berger. Et ces deux termes poseront problème. Lorsque Jésus parle de son pouvoir, et lorsque Jésus parle de l'unité, dans les chefs des Juifs, ils sont en désaccord les uns avec les autres. Et ils planifient même, ils comptent même, ils veulent même tuer celui qui donne la vie. Nous pouvons lire ça en gardant toujours ces mêmes évangiles, dans ces mêmes chapitres. Mais cette fois-là, dans les 19e et 31e versets. Il est écrit dans les 19e verset, « Il y eut de nouveau, à cause de ses paroles, division parmi les Juifs. » C'est à cause de ses paroles. À cause des paroles liées à la puissance, à cause des paroles liées à l'unité, il y a eu division. Au verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Ils veulent tuer le Seigneur. Ils veulent tuer celui qui donne la vie. Le message central qui sera placé au cœur de notre prédication est le suivant. Par amour pour l'homme, Jésus se solidarise avec lui jusqu'à la mort. S'il vous plaît, jusqu'à la mort. Et par ce geste, il accomplit de son propre gré, de son plein gré, la volonté du Père. Maintenant, rentrons un tout petit peu dans la lecture de l'extrait de l'évangile selon Marc que notre bien-aimée sœur venait de nous lire tout à l'heure. Dans cette lecture, nous avions suivi une partie des souffrances de Jésus et de sa crucifixion. Rien qu'en suivant notre sœur, les récits étaient effrayants. Ça nous fait peur. C'est vraiment quelque chose qui nous trouble. Dieu merci, nous en connaissons aussi la fin. Jésus va ressusciter. Mettons-nous à présent à la place de ceux-là qui avaient vécu cela en direct, de ceux qui étaient témoins de ses souffrances et de sa crucifixion. Chacun pouvait regarder les choses à sa manière. Et les réactions étaient différentes d'un groupe à l'autre. Pour les opposants à Jésus, pour ses ennemis, ça semblait être un triomphe. Ils avaient triomphé, ils venaient de gagner. Parce qu'au fait, ils ont réussi à se débarrasser de cet homme, de ce Jésus. Ils étaient heureux d'avoir atteint leur objectif. Souvenez-vous, encore du dimanche dernier, le dimanche des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem.
il y avait des personnes nombreuses qui l'acclamaient. Et désormais, ces personnes-là n'étaient plus du côté de Jésus. Ses ennemis, ses opposants étaient heureux de voir qu'il venait de récupérer ses hommes et ses femmes. Ils étaient de leur côté. Même ses propres disciples l'ont abandonné. Alors pour ses opposants, nous les crucifions, nous les tuons, et là, nous venons d'atteindre notre objectif. Maintenant, qu'en est-il de ses disciples? Eux aussi n'arrivaient pas à comprendre ce qui venait de se passer. Ils étaient troublés au-dedans d'eux quand ils regardaient les opposants de Jésus. Il se disait, voilà, le mal vient de remporter la victoire. Le mal vient de vaincre. Le mal vient de triompher. Parce qu'il ne comprenait pas. C'est quand même le maître. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas possible. Il ne se défend même pas. Il se rend. Alors, même son père ne vient pas intervenir, ne vient pas à son secours. Alors, définitivement, le mal vient de triompher. Le mal vient de remporter la victoire. Finalement, ses opposants ont eu raison sur lui. C'était ça le sentiment qu'animaient les disciples. Et comment réagit Jésus lui-même au cœur de ses propres souffrances, au cœur de sa crucifixion? C'est bref. Il a dit, c'est accompli. Tout est accompli. Nous pouvons jeter un coup d'œil dans ce même évangile selon Jean. Mais cette fois-là, au chapitre 19, et lire un extrait de son 30e verset. Tout est accompli. Ce ne sont pas ses adversaires qui viennent de remporter la victoire. Ses ennemis ne viennent pas d'atteindre leur objectif. Le mal ne vient pas de triompher. Mais c'est Jésus qui vient de triompher. C'est lui qui vient d'atteindre son objectif. Son objectif est lequel? C'est faire la volonté de son Père. De son plein gré, il vient d'accomplir. Il vient de faire la volonté de son Père. Alors, c'est important que nous nous posions la question suivante. Quelle est alors la volonté du Père? Le Père avait envoyé Jésus pour que ce dernier nous montre son amour, l'amour du Père. Et que Jésus puisse le montrer à tous les hommes. C'était ça la volonté. C'est ça encore la volonté du Père. Il aime tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Jésus sur terre, c'est juste pour nous dire, je suis avec vous. Sur terre, je partage votre souffrance. Sur terre, Jésus se solidarise avec nous
Il nous dit, je vais souffrir. Je vais ressentir la douleur comme vous. Je vais supporter. Je vais traverser ce que l'homme traverse au quotidien. J'aurai faim. J'aurai soif. Je serai plongé dans la détresse. Je connaîtrai l'abandon, ce que l'homme vit au quotidien. L'injustice, la trahison. Je vais connaître toutes ces choses. Jésus qui vient sur terre comme homme va loin en disant, je fais la volonté de mon Père de mon plein gré parce que les hommes sont appelés à mourir et je mourrai également. Jésus se solidarise avec l'homme jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Malheureusement, nous sommes tous plongés au cœur de la détresse actuellement, avec cette pandémie qui dérange le monde. Est-ce pas l'occasion ici de trouver en cette parole de Vendredi Saint un sujet de réconfort et de consolation dans lequel on souligne il solidarise avec l'homme jusqu'à la mort. Il accomplit ainsi de son plein gré la volonté de son Père. Et nous venons de l'entendre. La volonté du Père, il partage avec nous nos souffrances. Il est là avec nous. Il va avec nous jusqu'à la mort. Ma sœur, mon frère, ministre ordonné, homme de Dieu de l'Église, je ne sais pas là où tu te trouves. En confinement, en quarantaine, sur les lits des malades. Nous nous connaissons très bien. Je ne sais même pas encore ce jour si vous avez trouvé quelque chose à mettre sous la dent. Même un morceau de pain. Si vous avez trouvé quelque chose à boire, je me pose tant de questions. La mort ne viendra pas seulement chez nous au nom du coronavirus. La mort est là. Peut-être que le deuil a déjà frappé devant nos portes. Il y a des familles qui sont en deuil. Nous ne savons pas avoir l'information émanant de tous les champs d'activité. Mais ma sœur, mon frère, homme de Dieu, Jésus, au moyen de cette vidéo, vient vers toi. À l'occasion de ce Vendredi Saint, et te dit, je suis là, ne pleure plus. Je partage ta souffrance, je partage ton malheur. Je serai avec toi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Peut-être que ça pourrait nous effrayer en disant dans ces conditions, je finirai par mourir. Ne lâche pas prise, même dans la mort. Jésus nous dit, je serai toujours avec toi. Nous pouvons encore trouver consolation en nous souvenant des paroles de l'apôtre Paul adressées aux Romains dans son épître aux Romains au chapitre 8. Je peux vous faire lecture du 35e et du 39e verset. Qui nous séparera
de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou les périls? Ou l'épée? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, alors rien ne peut nous séparer de cet amour. C'est lui qui est venu nous montrer cet amour du Père, Jésus, en accomplissant de son plein gré la volonté du Père, est là et sera toujours avec nous. Il y a risque que nous puissions nous dire, « Oh là là, c'est Dieu qui est amour. » Vous avez vu comment il rabaisse son fils au rang d'esclave. Parce qu'il condamne, demande au fils de faire sa volonté. Non. Jésus lui-même souligne, c'est de mon plein gré. C'est de son plein gré qu'il accomplit, qu'il fait la volonté de son Père. Parce que lui et le Père sont un. Ce que aime le Père, c'est ce que Jésus aime. Ce que veut le Père, c'est ce qu'effectivement Jésus veut aussi. L'amour du Père, c'est aussi l'amour de Jésus. C'est pour cela que le Père l'a envoyé au nom de cet amour et qu'il vienne au monde et présenter cet amour à tous les hommes sans exception. Jésus l'a fait parce que le Père le souhaite ainsi. Je l'ai fait parce que le Père souhaite sauver les hommes. Alors, j'y vais, j'accomplis la mission. Ce ne sont pas mes ennemis qui viennent de remporter la victoire. Ce n'est pas le mal, qui vient de triompher. Non, ce n'est pas le mal. Mais plutôt, je confirme ce salut. Je viens vers ce que le Père propose à l'humanité en remportant la victoire sur le mal. Jésus n'est pas rabaissé au rang d'esclave en faisant la volonté de son Père. Vous allez peut-être me dire, alors, que diriez-vous de ces paroles reprises? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26 et le 39e verset. Souffrez que je vous les lise. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Que cela signifie? Jésus voulait tout simplement et clairement dire, la volonté de mon Père est plus grande que mes souffrances. La volonté de Dieu était plus grande que ses souffrances, que sa crucifixion. Bien-aimé, au cœur de cette souffrance que nous traversons, même des choses
que nous ne cessons de vivre au quotidien à l'occasion de ce vendredi saint. Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire aussi depuis nos domiciles, chacun au moins, que mon salut est plus grand que mes souffrances. S'il vous plaît, nous pouvons aussi librement, bien sûr, dire cela. Mon salut est plus grand que mes souffrances. Et ici, je me souviens du vœu de confirmation de nos enfants le jour de cette bénédiction si particulière. Ils arrivent à conclure dans ces vœux en disant « Et de te rester fidèle jusqu'à mon dernier jour. » Est-ce que nous pourrions prendre cette sincère résolution de rester fidèle à Dieu jusqu'à notre dernier jour? Amen. Vendredi saint, les souffrances, la crucifixion de notre Seigneur au cœur de la prédication. Mais aussi bien au cœur de notre préparation à la prière de notre Père, à la repentance et au pardon des péchés. Pourquoi ces sacrifices du Seigneur? Tout simplement parce que Dieu aime tous les hommes. Et qui pouvait prendre la charge des péchés des autres? Ce n'est que par amour que le Seigneur l'a volontairement et librement accepté. Il a consenti le sacrifice de sa vie pour que l'homme pécheur soit justifié, non pas par ses œuvres, mais par cet amour, par ce sacrifice matérialisé par notre Seigneur. Pour l'un, pour l'autre, pour nous tous, pour tous les hommes. Je nous propose à cette occasion que nous puissions regarder ce saint sacrifice consenti par le Seigneur avec un saint respect du fond de notre âme. Et vous prie alors de garder une minute de silence. Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père de joie, Père d'amour, Dieu de grâce et de bonté, infiniment merci en ce jour où nous commémorons, nous nous souvenons dedans de nous des sacrifices, des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons son amour vis-à-vis de nous, pécheurs, et combien tout-puissant tu nous aimes. Nous nous sommes dit, c'est avec un saint respect que nous regardons ce saint sacrifice et te disons merci de ton amour. Merci de continuer à nous aimer au cœur de cette souffrance que nous traversons actuellement, mais aussi bien au cœur de notre faiblesse. Peut-être ça et là, nous n'avons pas pu supporter notre douleur. Nous avions sorti de notre bouche, nous avions mûri au-dedans de nous, des fois des paroles et des pensées qui n'étaient pas conformes à ta volonté. Pardonne-nous, aie pitié de nous. Nous disons encore merci pour le sacrifice de Jésus. Merci encore pour le pardon des péchés. Merci Père de nous avoir une fois de plus accordé cette grâce particulière. Nous prions pour l'Église entière, pour chaque frère et chaque sœur. Nous pensons ici et bénissons les sacrifices de tes enfants, de tes serviteurs qu'ils continuent à consentir dans ces moments difficiles, sous toutes les formes, richement qu'ils soient bénis. Nous prions pour l'orphelin, nous prions aussi particulièrement pour la veuve. Nous prions pour tous ceux qui sont souffrants charnellement, ceux qui sont malades. Nous intercédons en faveur de tous ceux qui sont frappés par le deuil. Nous partageons leurs souffrances. Christ est là. Christ est là. Christ sera toujours là. Nous prions, Père éternel, pour les pays. Encore, nous prions pour la paix. Nous prions, Père éternel, pour que tu nous redonnes des forces et que tu continues à nous soutenir sur ce chemin qui nous mène vers la communion avec toi. Nous prions plus particulièrement pour le service divin que tiendra notre apôtre patriarche le dimanche prochain, dimanche de Pâques. Ouvre le chemin à ton serviteur sur le plan des déplacements, mais aussi bien sur le plan de la retransmission. C'est toute la planète qui est appelée à suivre. Toutes les églises territoriales du monde, toutes les communautés néo-apostoliques. S'il te plaît, Tout-Puissant, fais réussir la retransmission. Permets à tes enfants de trouver ces jours-là de la consolation, du réconfort, de l'unité encore au sein de l'Église. Père éternel, tu voudras aussi bénir particulièrement le peuple de Dieu dans ces champs d'activité, dans la partie sud-est du Congo. Nous t'avons demandé que tu nous accordes encore mieux et plus que nous n'avons pu exprimer en parole, en communion parfaite et étroite avec notre apôtre patriarche. Tout-Puissant, exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Bien-aimés, merci de tout cœur.
merci encore d'avoir pris votre temps pour suivre ce service divin. Vous avez consacré votre temps pour rester en communion avec l'Éternel au moyen de ce service divin. Merci encore. Merci. Merci pour toutes vos prières. Merci pour tous les efforts que vous êtes en train de consentir. Je reste convaincu que même à domicile, vous avez les cœurs tournés vers Dieu. Vous avez les cœurs tournés les uns vers les autres. Continuons dans ce sens. Dieu est là. Dieu est tout-puissant. Comme vous l'avez suivi dans notre prière, et comme nous l'avions déjà dit le dimanche dernier, le dimanche de Pâques, nous serons tous connectés à l'autel du Seigneur, mais c'est là où se tiendra notre apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. Nous allons réagir en fonction des réalités de notre champ d'activité. C'est-à-dire, là où c'est possible pour suivre directement, comme on le dit, en live, ça sera fait. Mais nous prendrons tout notre temps. Nous sommes déjà en contact avec la direction internationale de l'Église pour que nous puissions avoir aussi l'occasion de vous retransmettre dans la même journée ce service divin. Les frères qui travaillent avec nous sur le plan technique sont déjà prêts et vous communiqueront toujours par ces mêmes moyens les détails techniques. C'est sur quelle chaîne, par quel lien, à quelle heure que ces choses-là pourront se passer chez nous. Gardez votre calme, ne vous en faites pas. Nous allons communiquer là-dessus. Mais le travail de porte à porte sera fait. Parce qu'on devrait quand même fêter la Sainte-Seine comme nous en avons encore l'occasion. Que les frères qui sont concernés par ça dans leur région apostolique les fassent avec la joie, les fassent dans la paix du Seigneur. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Que le Tout-Puissant nous garde. Je vous rappelle, bien-aimés, Dieu nous aime. Merci. Au revoir.